bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Devil May Cry 4. On avait trouvé une mission secrète dans la deuxième mission qui s'appelle Carnage, et il faut éliminer tous les démons dans le temps imparti. Donc on est parti. Ah, échec. Ah, c'est dur, hein. Là, je me suis mal pris parce que je suis parti dans tous les sens. On peut la refaire. Allez, viens ici, toi. Il reste un ? Il est où ? Bah mince alors. On fout, il retourne. Il y a combien? Ah, je suis sûr que c'était le dernier. Je veux y arriver. Bon, c'est raté. C'est raté, c'est raté, c'est raté. Pas la peine que je m'exprime, c'est raté.
Mais c'est raté. Je vais y arriver, je vais y arriver. Pourquoi j'y arrive pas? Parce que les machins ils vont droite à gauche. Mais... Mais j'ai trouvé la technique. Mais moi, je pense la dernière fois, j'espère. Voilà, c'est plus rapide, hein. Fragment de sphère bleue. 4 fragments permettent de créer une pierre complète. Voilà. Faut battre tous les monstres. Ok, faut battre tous les monstres aussi. Également possible lors d'un saut. Projeter le début pour passer un mini-instant et régler son compte. Ok. Allez les cocos. Un autre à péter ici. Petit résidentiel. Hein. Non. Ouais, mais je peux pas tourner. Comment qu'on fait? Fallait juste tomber. Appuyez sur le T pour activer le système d'injection de Red Queen. Ça va rendre leur attaque souvent plus puissante. C'est ça?
Vraiment de sphère bleue. C'est quoi le vrai chemin? C'est quoi le bonus? Le bonus, c'est là-bas. Le combat va être décidé par terre pour évaluer vos talents. La note décide augmentera avec la beauté d'attaque, mais diminuera si vous êtes touché ou si vos attaques sont interrompues. Et cette note de DASSS, en améliorant votre note, vous recevez plus d'un point. Ah, il y a une énigme. Super. Le mécanisme réagit à l'énergie de l'épée. Une série d'attaques produira l'effet escompté. Mec qui monte pas les échelles, lui, il saute. S'en fout. L'ascenseur. Normal. Oh, je vais faire comme ça au boulot.
Provocation, appuyez sur pour se moquer de vos adversaires et faites un combat de l'ennemi. Astuce divine, les sphères rouges et les amphires permettent d'obtenir une nouvelle aptitude aux objets inédits. Qu'est-ce que c'est? Pour de pouvoir profiter, tes talents faudra démontrer. D'accord. Un pouvoir sinistre réside dans cette statue si le sang d'un démon est sacrifié. Le pouvoir sera libéré. Faut tuer un démon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on a perdu un peu de temps sur la mission secrète. On continuera ici la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.